Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Je vais m'asseoir parce que sinon on va en avoir pour 15 plombes. Alors déjà, ce matin je suis arrivée chez moi, il était 9h, j'ai dormi chez mon copain comme d'habitude. J'ai reçu un message de l'URSSAF comme quoi j'étais débiteur auprès de la sécu des indépendants. Je me dis quoi, quel sécu, hein, de quoi il me parle encore. Donc j'ai appelé tout le service, oui mon cœur. Attends, je parle mon amour, d'accord, t'es une tchouk-tchouk, je sais, mais tu arrêtes. Moi tchouk-tchouk. Donc j'ai appelé le service, etc. Et en fait, vous savez, quand vous payez des impôts, genre en temps normal, quand vous êtes salarié normalement, vous avez juste à valider le paiement, à mettre votre RIB, etc. Et c'est bon. Sauf que là, non. Non, non, non. Mois d'avril, fin avril, j'ai fait ma déclaration d'impôt pour YouTube. Pour que je paye des impôts, etc. Et en fait, quand on valide, eh ben ça veut pas dire que c'est validé, que le paiement a été validé, etc. Non, non, non. Faut aller dans une autre rubrique, valider tout ça, encore valider et revalider. Chose que je n'ai pas fait parce que je ne le savais pas. Et donc je dois, et les impôts, ce qui est normal, mais aussi le double de ce que je dois payer d'impôts. Genre en un mois de retard, entre guillemets, je dois le double. Donc je suis un peu dégoûtée. Vraiment, c'est de l'arnaque totalement. On est prévenu de rien du tout. Même pas ils nous disent ouais, il faut aller valider machin et tout. Enfin moi quand j'ai dit valider, c'est valider point barre. Tu dois pas les valider sur un autre truc. Je devais imprimer des papiers etc pour l'envoyer à l'URSSAF comme justificatif, comme quoi j'avais essayé de payer machin. Enfin bref, c'est une galère pas possible. Et j'ai allumé l'imprimante, j'avais acheté des cartouches d'encre etc, mais mon imprimante ne fonctionnait pas. Alors quand j'ai voulu nettoyer mon imprimante, bah c'était la c'était le calvaire, on peut se le dire, hein, c'était vraiment un calvaire. J'avais de l'encre de partout, ça marchait pas, etc. Donc bah, j'ai dit fuck, allez, c'est bon, j'en ai ras le cul. Je suis allée m'acheter une imprimante, voilà l'histoire. Donc ouais, je suis acheté une imprimante. J'ai pris sur vos conseils la HP. Et la HP Envy 5030. Et en fait, on a 300 pages d'impression en fait par mois gratuite pendant 12 mois. Vous m'avez dit ça sur YouTube dans ma dernière, dans une de mes vidéos, je vous demandais des conseils et vous m'avez dit que ça, la HP, c'était les meilleurs, etc. Et j'ai vu en fait les forfaits, c'est vachement intéressant, hein. En fait, il faut aller sur un site Inkstore. Vous avez des abonnements par mois, genre c'est 3€ par mois pour 50 pages d'impression, sinon c'est 15 pages d'impression, enfin 15 pages imprimées par mois, c'est gratuit. Sinon ça va un peu plus crescendo, genre 10€ par mois pour 100 pages, un truc comme ça. Et je trouvais ça intéressant parce que dans un mois j'ai pas beaucoup de choses à imprimer, bah je fais 15 pages donc ça me fait gratuit. Et en fait si on a acheté une HP Envy comme j'ai là, et ben on a 300 pages d'impression par mois pendant un an. Donc j'ai trouvé ça génial, comme ça je vais pouvoir faire Vinted, je pourrais vous imprimer tout ça et en faire mes envois Vinted. Donc je vais bientôt faire Vinted. Oui, enfin. Tellement de choses à vous mettre en ligne, mais tellement, tellement. Parce que en fait à ma cave, il y a 5 cartons de ce que je dois vendre. Là j'ai mes cartons remplis, genre c'est à ras-bord. Dans mon placard j'ai 2 gros sacs sous vide à vendre. Et dans mes 2 cartons là, j'ai aussi 2 gros trucs à vendre, 2 gros sacs vides à vendre. Donc c'est beaucoup de choses à vendre. J'ai besoin de renouveler, etc. Parce qu'il y a plein de choses que je ne mets plus. Et je trouve ça bien, Vinted, pour ça. Donc je vous l'annoncerai sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, c'est ElisaBRTOff sur mon Instagram. Donc ceux sur Instagram, vous le saurez en avant-première. Donc vous aurez les articles en avant-première. Et sur YouTube, bah, je vous l'annoncerai sur YouTube bientôt. Je l'espère. Ce matin, je suis allée à la banque pour augmenter mes plafonds de carte parce qu'avec mes dépenses YouTube et mes dépenses perso, bah mon plafond est vite atteint. Donc je suis allée à ma banque pour récupérer mon chéquier et pour augmenter mes plafonds. Et ensuite, juste avant, je suis allée faire, pas faire des courses, mais acheter un caddie pour refaire mes courses parce que j'en avais pas. J'en ai acheté un Carrefour et j'ai acheté les livres, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais vous poser où? Je vais vous poser sur mon trépied, hein, c'est ça. Peut-être mieux. Alors j'ai acheté un énorme caddie. Bon, c'est un caddie bleu de base, voilà, normal. Avec 3 roues, ça m'a coûté 25€ à Carrefour. Et l'intérieur il est comme ça, vous savez, il garde le froid. Parce qu'il y en avait d'autres à 40 balles, j'ai pas compris le prix. 40 balles, c'était juste un caddie normal sans truc pour garder le froid, il y avait rien de spécial quoi. En plus il y avait 2 roulettes. Je me suis dit bon, c'est quoi ce prix? Et là 25€ pour un truc qui garde le frais, etc. Alors moi de base je fais mes courses sur internet, je me fais livrer parce que faire les courses en transport c'est mort, je veux plus faire ça, j'ai fait une fois, c'est terminé. Et là, mais là par contre j'ai pris ça pour quand je vais à Truffaut, je veux m'acheter du terreau. Vous savez, les terreaux de 15 litres c'est assez lourd quand même. Et je pense qu'avec ça, ça va être mieux, même si je veux m'acheter voilà des petites choses quand même à Carrefour de temps en temps, des fruits, des légumes au marché, etc. Je trouve que c'est plus simple
que de porter des sacs parce que vraiment c'est chiant à chaque fois de porter, c'est horrible. Donc bref, je suis allée à Carrefour et je devais juste acheter ça et je suis passée au rayon librairie et en fait ils ont fait une nouvelle collection limitée, un prix de lancement à 3€ seulement le livre, et ils sont vraiment très très beaux les livres et moi je suis vraiment une très grande collectionneuse, donc bah j'ai pris toute la collection. Oupsie. Voilà, donc j'ai pris, donc il y en a 9 au total, donc j'ai pris Spider-Man et franchement la qualité est vraiment ouf. J'aime beaucoup moi cette qualité de papier, cette qualité d'image. Donc 2,99€ et normalement c'est 10€ le livre. Donc c'est le prix du lancement jusqu'au 31 août 2019. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller checker à Carrefour. Ça part très très vite par contre. J'en avais déjà acheté des petits et c'est parti à une vitesse. Donc n'hésitez pas à aller checker à Carrefour. Donc j'ai pris Spider-Man. Ça aussi. Alors ça je connais pas trop. Enfin je suis pas très, très fan, mais c'est juste... pour le côté collection, tu vois. Ensuite j'ai pris Iron Man, voilà, j'ai pris ça, j'ai pris Captain America à la base, trop beau, genre les images elles sont vraiment très 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 jolies. Oh non, ma plante, oh, j'ai fait tomber ma plante, oh, c'est vraiment la poisse. Ensuite j'ai pris Deadpool, moi j'ai pris celui-là. Alors elle non plus, enfin je regarde pas trop, mais c'est vraiment pour la collection, voilà, je trouve très très belle. Avengers et enfin Black Panthers, donc il y en a 9, donc au lieu de 90€ j'ai payé 27€ les livres, donc c'est vraiment une belle qualité et pour une collectionneuse comme moi bah c'est ouf. Il venait juste de le mettre en magasin en rayon et quasiment la moitié était partie en l'espace de 20-30 minutes, tu vois. Et j'ai pris des commandes pour TikTok. J'ai des commandes pour toi, c'est une TikTok. Est-ce qu'on te voit même plus dans les vidéos? Est-ce que tu baisses la caméra, comme ça on va te voir. On va te voir là, on voit plus déjà, alors viens. Mais non, mais descends pas, viens. Oh là 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 là. Ça va, Tchuk? T'es une tchuquette? Oui, oui, oui. Allez, tiens. Ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé des gourmandises comme ça. Et à Action, c'est pas cher, mais je les trouve plus à Action. Genre, aux Actions où je vais, je les trouve plus du tout. Ouh là 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 là, mais ça a été une tchuquette très sage, ça, hein. Ouh là là. Eh vas-y, va manger, pas sur le canapé. Donc voilà, j'ai pris ça et la HP Envy. Donc j'ai pris celle-ci d'imprimante. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Ouais, je suis assez contente. En plus, elle a l'air simple d'utilisation. Je n'ai pas une imprimante compliquée. T'sais. Et je suis encore allée acheter des livres, bien évidemment, pour m'acheter mes Picsou. Je vais vous remonter parce que bon, Birdie n'est plus là. Je suis allée acheter des Picsou. Donc ça, c'est celui que j'ai la collection. Donc je continue cette collection-là. Elle est vraiment bien. C'est très drôle, c'est con, voilà, j'aime bien. 5,95€, ensuite j'ai pris Picsou Magazine, ça je l'ai jamais acheté, donc à voir ce que ça donne. Moi tout ce qu'il y a avec Picsou je l'achète, donc j'ai pris le super Picsou géant. Bah, en fait il y a une suite, mais à chaque fois j'ai jamais la suite, genre j'ai que des parties de suite, mais ça n'a jamais fait quelque chose. Donc voilà, j'ai pris ça, je vais mettre ça dans la bibliothèque. J'ai reçu des petits magnettes de la part de Thier, ils m'ont envoyé ça gratuitement, je vais les ouvrir avec vous pour voir la qualité d'image. Donc en fait c'est une édition spéciale Fête des Mères. Donc vous avez une petite carte postale avec My Mom is My Hero. Voilà, une petite carte postale. Et on a une petite boîte, elle est vraiment trop belle la boîte. Vous pouvez marquer le nom de votre maman. Enfin, de base c'est pour ça, hein. C'est fait pour la fête des mères. Et à l'intérieur vous avez des magnettes. Voilà, j'ai pris des magnettes. Je vais essayer de pas vous montrer mon papa. Mon papa il est là. Voilà, c'est des magnettes. J'ai pris des photos de moi, de mon Instagram, que je mets bien pour mettre sur mon frigo. J'ai commandé d'autres magnettes que je vous montrerai bientôt dans une prochaine vidéo. Et vraiment j'aime beaucoup. Alors après vous pouvez choisir plusieurs coloris. Moi j'ai complètement zappé de choisir plusieurs coloris d'encadrement. J'ai pris blanc, j'aurais bien... Tiens mon cas, prends la fin. J'aurais bien voulu prendre plusieurs couleurs, mais j'ai pas pensé. Bah merci à Thiers de m'avoir offert ça. Vous avez un code promo normalement, c'est, je vous mettrai juste là, je ne sais plus, sinon c'est en barre d'infos. Et je vous mettrai le lien aussi dans barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ça c'était une édition limitée. Voilà, merci beaucoup, je vais mettre ça sur mon frigo, je vous montre ça juste après aussi. Allez, c'est parti. J'ai mis mes magnettes que j'ai achetées à Disney. Vous avez pas vu mon haul, je vous mettrai en petit si vous l'avez pas vu. Avec ceux de Ratatouille, ils sont vraiment trop trop beaux ceux-là. Vraiment j'aime beaucoup, surtout celui-là je l'aime beaucoup. Celui-là il est très lumineux etc. Ça c'est un peu kitsch mais bon, j'aime bien. Et j'ai mis mes photos. Là j'ai pris une photo de Birdie, une photo de Kina. Et voilà, j'ai pris mes photos que j'ai sur Instagram parce que je les aime bien. Et ça c'est pas narcissique de ma part, c'est juste parce que j'aime bien mes photos, les exposer. Enfin, ça me rappelle voilà mon petit parcours sur YouTube. Il y a des photos qui annonçaient combien d'abonnés j'ai eu etc. Et c'est important pour moi. Et je vais en recommander des magnettes
pour mettre à chaque fois le nombre d'abonnés que j'ai. Quand je passe à chaque fois de 1000 en 1000, bah je fais 1000, 2000, 3000, etc. Je vais les imprimer jusqu'à 12 000 pour mettre sur mon frigo pour me rappeler mon petit parcours. En tout cas, la qualité est très 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 jolie. Hein. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est trop joli. J'avais déjà imprimé des photos comme ça et tout. Mais en magnète, je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les livres réunis. Je savais pas qui ça faisait une petite, un petit dessin. J'adore quand ça fait ça. Je trouve ça trop beau. Donc voilà. En fait, de base, c'est comme cette édition-là que vous avez déjà montré. Le prix de lancement était 1,90€ et le bas, c'était 4,90€. Et j'avais pas pu tous les avoir. Donc j'étais un peu dégoûtée. J'avais que ceux-là parce qu'ils étaient partis à une de ces vitesses. Et là, bah, j'ai toute la collection en grand. Et je trouve ça trop trop bien. Donc voilà, j'ai déjà Batman. Et là, c'est ce que j'ai acheté. Donc je suis trop contente. Ensuite, pour Picsou, je l'ai mis là. Voilà, j'ai mis avec cette collection-là. Et en fait il me manque là entre les deux le 210, mais je l'ai pas vu, donc je suis un peu dégoûtée. Et j'ai mis celui-là juste là. Voilà, ça s'agrandit de plus en plus, donc faut faire de la place dans le dans tout ça. Mais en tout cas voilà, je suis très contente de mes petits livres. Ah oui, et j'avais aussi reçu ça de la part de Clinique. Donc c'est un contour des yeux pour hydrater en fait le contour des yeux. Le packaging est vraiment super beau. J'aurais fait très très luxe. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais en fait à l'intérieur vous avez des perles roses et vertes. C'est enrichi à la vitamine C et E et avec du beurre d'aloès. Donc ça permet d'hydrater pendant 96 heures et ça lutte contre le vieillissement de la peau. Donc ça permet de lisser le contour de l'œil, de le repulper, et ça permet aussi d'illuminer le regard. Donc ça je l'ai testé depuis quelques jours. Je l'ai testé je crois deux fois. Quand je l'ai mis c'était vraiment très très frais. Vraiment super frais, très agréable. Par contre ça collait un tout petit peu. J'ai senti que c'était un peu plus hydraté. Donc si vous avez des problèmes avec l'hydratation de vos yeux, genre par exemple Sananas, je pense que ça lui plairait vachement, tu vois, ce genre de produit, parce que ça hydrate vachement bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais vous dire les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez du beurre d'aloès. En fait c'est des extraits de feuilles d'aloès infusées d'huile de coco. La vitamine C et E, ça permet de protéger la peau contre les agressions extérieures et la déshydratation. Il y a de l'acide hyaluronique comme d'habitude. Il y a aussi des peptides, ça aide à lisser la peau. Il y a du thé vert et de l'extrait de concombre, donc ça permet à ce côté un peu rafraîchissant. Et la vitamine B3 qui aide à illuminer le contour de l'œil. Donc voilà. En fait ça vous paraît peut-être un peu petit comme tube, mais vous en mettez vraiment un tout petit peu sur votre doigt. Vraiment un tout petit peu, et ça hydrate à fond votre contour d'œil. Et j'ai aussi un code promo que je vous mettrai juste en bas. Donc en fait c'est ce code là qui vous permet d'avoir deux produits offerts avec une trousse. Donc vous avez un démaquillant, 30 ml et un mascara Height Impact. Il est vraiment génial, celui-là je l'ai et je l'adore beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker si ça vous fait, si vous avez envie. C'est jusqu'au 30 juillet que c'est valable ce code. Donc voilà pour ce petit code. Si vous avez d'autres codes de chez Clinique que je vous mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Donc voilà, merci beaucoup à Clinique de m'avoir offert ça. Il y en a une, je crois, qui est contente. Ah, tic-tic. On va te laver aujourd'hui, on va te laver, mon cœur. Parce que là... Ah, tic-tic, on va te laver. On a plein de choses à faire aujourd'hui. Hein. Et je vous ai pas montré. Il y a un autre cactus pied qui est en train de pousser. Genre l'autre, il a bien poussé de fou. Genre le deuxième, là. Et l'autre, là, il est en train de pousser. Oh, mais je suis trop contente. Genre un nouveau cactus pied. Ah oui, il y a d'autres... D'autres petites pousses, regardez, là il y a une petite feuille qui va sortir. Et là aussi, genre en bas, et là aussi, je suis trop contente. Genre je pensais pas qu'une Calathea de chez Ikea allait repousser comme ça. En tout cas elle se plaît, donc je suis contente. Elle est en train de survivre, hein, mon petit Yuka. Pachira aussi survit bien, c'est cool. Et là aussi ça commence à pousser. Ah, hier elle était toute entortillée et là elle commence à se déployer. Donc c'est trop bien, genre trop contente. Elle se plaît bien. Ça, je l'avais acheté à Truffaut pour même pas 11€. C'est vraiment une bonne affaire. Et regardez comme la feuille, elle est toute verte claire. Et après, elle devient foncée. J'adore. Genre, c'est trop trop beau. Mais de toute façon, je vais bientôt vous faire un haul spécial Truffaut, plantes, etc. Parce que j'ai acheté vraiment beaucoup de choses à Truffaut au niveau des plantes. Pour faire vraiment un petit esprit, voilà, jardinage, etc. Je vais vous montrer juste une toute petite partie. Genre là, voilà, une des plantes que j'ai acheté à Truffaut qui est juste sublime. Elle coûte vraiment pas cher. Genre, c'est 2,95€. J'aime trop. Donc voilà, j'ai acheté plein de petites plantes comme ça. Sinon, le Mickey que j'ai acheté à Disney, je l'ai mis ici pour l'instant. Je sais pas trop où le mettre. Je pensais peut-être le mettre ici. Peut-être ça sera mieux, non? Je sais pas. Je trouve ça un peu trop encombrant. Là, j'aime bien. Après, j'aurais bien aimé le mettre sur un piédestal, tu vois. Et vous savez la petite bougie? Lama.
comme ça qui était juste devant, et ben en fait elle a bien fondu au soleil. J'essaie de vous montrer. Alors il n'y a plus de pied, il n'y a plus rien. Genre elle a tout fondu. Donc ça a vachement abîmé mon meuble. Donc c'est tout noir, j'ai essayé de gratter etc. pour enlever un maximum. Mais il n'y a rien qui part, donc je vais devoir repeindre au dessus. Mais ouais, je suis trop dégoûtée quand j'ai vu ça, j'étais extrêmement saoulée, genre ça m'a gavée. Et donc pour la vidéo spéciale plante, vous voyez ce genre de plante là, elle est complètement morte. Donc je la changerai, tu vois. Ou encore j'essaierai d'arranger un peu mieux les plantes, même sur ma jardinière etc. Genre changer et tout parce que c'est mort. Donc même là-bas, regardez, c'est mort. Donc je vais mettre autre chose et dans ma jardinière, pareil là-bas, je vais mettre des petites fraises, etc. Et j'aimerais bien acheter un bac que je mettrai ici avec un treillis. Comme ça, les plantes grimpantes pourront s'y mettre. Je trouve ça joli. Et là, je vois qu'il y a un putain d'insecte. Est-ce que ma caméra va faire le focus? Non, heureusement qu'elle ne fait pas le focus parce qu'elle serait extrêmement effrayée. Ne rentrera pas chez moi! Non! Feu! Et donc vous voyez en fait là-dedans, dans les deux cartons là, c'est que des trucs à vendre. Là-haut dessus c'est à vendre. Tout là-dedans c'est à vendre. Là-haut dessus c'est à vendre. Dans la cave aussi c'est pareil. Plein de choses à vendre. Donc il y a des shorts, il y a des jeans, il y a des robes, il y a des jupes, il y a des t-shirts, il y a des blousons, il y a des blousons chauds, des blousons froids, des robes de soirée, des robes d'été, des robes... Il y a de tout, vraiment il y a de tout. Et que je veux me débarrasser parce que voilà, je m'en sers vraiment pas du tout. Et ça fait des années que je les ai, genre je les ai depuis 5-6 ans. Donc voilà, mon style il change au fur et à mesure et voilà. Ça marche ! Ah c'est cool, ça marche, il n'y a jamais vu une imprimante aussi facile d'utilisation. Et en plus, ça avait déjà des cartouches à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien. Et là, en fait, comme j'ai pris une HP Envy et qu'il y a une offre en fait sur les Envy, que sur les Envy Pro ou Envy normal, eh ben, on a 300 pages par mois pendant un an gratuitement. Donc normalement, ça coûte 10€ par mois, mais là, c'est à 0€. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dès qu'on manque de cartouches, l'imprimante va l'envoyer au serveur. Et donc, ça va m'envoyer des cartouches. Donc, ça veut dire que si j'imprime 300 pages là en une journée, dans 2-3 jours, j'aurai d'autres cartouches qui vont m'être envoyées par le site. Et si vous faites plus de 300 pages par mois, c'est 1€ 20 pages. Genre tu payes 1€ en plus pour avoir 20 pages en plus pour ce forfait là, sinon pour les forfaits où c'est gratuit, c'est 1€ pour 10 pages en plus, etc. Donc voilà, c'est vachement intéressant HP. Je suis très contente d'avoir suivi vos conseils, parce que vraiment c'est très très bien. Donc là je vais imprimer tout ce que je dois imprimer pour mes papiers, pour mes factures, etc. Pour YouTube, trucs de l'USAF, etc. Donc je vais faire tout ça et voilà, c'est parti. Nous sommes le lendemain, je suis allée à Truffaut hier soir et j'ai voulu acheter tout ce que je devais acheter pour les plantations. Je pensais acheter ça le mois prochain, mais en fait, je pouvais là, donc autant les acheter maintenant. Comme ça, au mois de juin, je suis tranquille pour les plantations. Et je me suis fait un petit déjeuner assez calorique. Je vais vous montrer ça. Et donc voilà, mon petit déjeuner, donc du Country Crips, jus d'orange, des bananes avec du Nutella. Oui, c'est trop bon ça. Tu fais chauffer ça au micro-ondes 30 secondes, tu mets plein de Nutella, genre pour bien que tu grossisses, et tout réjouir. Donc voilà, j'ai acheté des trucs, j'ai acheté plein de plantes et j'ai laissé 2-3 affaires chez mon copain parce que je suis rentrée directement chez mon copain hier. Et il y avait encore du terreau, etc. J'ai pas pu le prendre dans les transports. Mais il y a pas mal de choses les gars, vraiment de choses vraiment bien. Et il y a aussi là, mais je vous montre pas tout, hop, on cache. L'imprimante franchement elle est géniale, je vous la conseille vraiment, elle est pas chère. L'encre est gratuite pendant un an, c'est la HP Envy 5030. Elle imprime vraiment à une de ses vitesses. Hier j'ai fait tous mes papiers pour le RSA, l'URSSAF et pour changement d'adresse de mon entreprise Point d'Appi. J'ai fait ça, tout ça pendant au moins une heure, une bonne heure. Et ça a imprimé vraiment très très vite, genre vraiment. Donc je vous la conseille vraiment, elle est pas chère. Et bien il y en a une qui est aussi en promotion à Boulanger à Place d'Italie qui est à 60€. C'est exactement la même, mais moi je préférais prendre le modèle 9. Un modèle qui a été déjà utilisé, etc. Enfin bon, je préfère un modèle neuf. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous abonner à ma chaîne juste ici si c'est toujours pas fait. Je vous mets dans cette vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une autre prochaine vidéo. Bye bye.